Sitôt annoncé lundi par François Hollande, les premiers vols de reconnaissance de l'armée française au-dessus de la Syrie ont commencé. Selon l'état-major, deux rafales sont partis mardi matin du Golfe arabo-persique. L'opération témoigne du changement de stratégie de l'exécutif vis-à-vis du groupe État islamique, des missions de renseignement qui pourraient être suivies d'éventuelles frappes. Les carottes de la colère devant Bercy, les buralistes partent en guerre contre le paquet de cigarettes neutres voulu par le gouvernement. À moins d'une semaine de l'examen au Sénat, la Confédération des buralistes crie à la mort annoncée de nombreux établissements. Selon eux, le paquet neutre ne va pas améliorer la santé publique, mais augmenter les trafics. La fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace, retardée, ce ne sera pas d'ici à 2017, comme promis par François Hollande, mais fin 2018. En cause, le report de la mise en service du réacteur nucléaire de Flamanville dans la Manche. Une annonce critiquée à gauche. Les Verts notamment s'étonnent que le sort de la doyenne des centrales françaises soit lié à celui du réacteur. Ce sera seulement la deuxième rencontre en cinq ans. Les deux Corées sont tombées d'accord pour organiser en octobre une réunion de familles séparées par la guerre, un moyen d'apaiser une crise qui menaçait de dégénérer en conflit armé. 100 participants seront sélectionnés par chacun des deux camps. Des millions de personnes ont été séparées par le conflit qui a consacré la division de la péninsule entre 1950 et 1953. Beaucoup sont mortes avant d'éventuelles retrouvailles. La guerre, la famille, la mort ou encore la place de la femme vue par une foule d'anonymes à travers le monde. « Human » de Yann Arthus-Bertrand aussi entre intimisme et démesure. Le film, en salle samedi, tente pendant plus de trois heures de répondre à ces questions universelles. Au vu de l'actualité, certains témoignages sont particulièrement poignants. I said you have to go back to your country. I said where is my country? I don't have a country man. It's a killing ground.